Salut toi, ça va? Ça va. Un peu crevé à cause du taf, mais ça va. Il est tout pixelisé, mon amoureux. Tu sais quoi? T'es beau. J'ai très envie de toi, là, maintenant. Il va falloir t'attendre, comme tout le monde, après le confinement. Ah, parce qu'après le confinement, tout le monde va venir te baiser? C'est con. Tu me manques. Toi aussi. Mais pourquoi je peux pas venir dormir chez toi? Ça sera plus simple. Non, 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 non. Je préfère pas, je le sens pas. Puis avec toutes les merdes que je risque d'attraper au boulot, je veux pas t'exposer. Ce soir, j'ai croisé ton père en bas de chez moi. Oh putain, c'est pas juste. En fait, faudrait que j'aille confiner chez mon père pour pouvoir te voir tous les jours, quoi. T'avais qu'à dire oui quand je te proposais qu'on vive ensemble. Ouais. En tout cas, il détourne toujours le regard quand il me croise. Non mais laisse tomber, c'est un con. Bon, t'as fait quoi ce soir? Ben, il y a une heure, j'étais en train d'applaudir sur mon balcon. T'as fait ça, quoi? Bah ouais, écoute, c'était marrant. C'est pour les soutenir? C'est de façade, tout ça. Comment ça, de façade? Bah, ça serait si depuis 10 ans, on voulait aider ceux qui travaillent dans les hostos. Oui, c'est sûr. Mais là, c'est pour les remercier, tu vois. Ouais. Ça va? Non, mais là, je suis crevé, là. Il faut que j'aille me coucher. Ok. Tu me fais signe quand tu passes avec ton beau camion dans ma rue? Il pue, mon camion. Listen to my voice, my words into your ears, deeply inside of you, sound like a poem. I should have listened to you. I should have listened to you. Salut, c'est Max, laissez-moi un message. Ouais, c'est moi. Bah, tu me rappelles? Allez, je t'embrasse. Rappelle-moi. Rappel. Bon, bah là, définitivement, tu me fais la gueule, je sais pas pourquoi. Rappelle-moi. Apparemment, j'ai avalé un pangolin. Max, quand tu veux pour rappeler ton amoureux, merci. Je sais pas, il décroche plus depuis 3 jours. Vous êtes pris la tête? Même pas. Non. Bah tant pis, va le voir. Ah non, mais non, si je fais ça, il me tue, il aura raison en plus. Non, Antoine, tu refermes le tiroir avec les médicaments, tu touches pas à ça. Monsieur s'est trouvé une nouvelle vocation. Médecin? Ah non, il veut être caissier. Il a seulement 8 ans, mais il est en boucle, il veut être caissier dans un supermarché. Salut, bienvenue. Une émission à la télé. C'était sur les gens qui n'ont pas trop le choix, quoi, qui sont bien obligés d'aller bosser en ce moment. Des boulots de merde. Ouais. Enfin, je voulais pas dire boulot de merde. Excuse-moi. Ça doit pas être facile pour ton âme en ce moment. Je te rappelle, ok? Je suis désolé, mon cœur. Je suis désolé. J'avais bien vu que je t'avais blessé pour quelque chose, mais j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et là, j'ai compris. Enfin, je crois. Rappelle-moi. Papa, retire ta main là, papa, je te vois pas. Oui, voilà. Ça va? Ça va. Dis donc, ça fait un bail que tu m'as pas téléphoné, toi. Oui, je sais. Écoute, je t'appelle parce que je voudrais te demander un service à propos de Max. Non, papa, arrête, s'il te plaît. Je sais pas quel est ton problème avec lui, si c'est parce que c'est un homme
ou si c'est à cause de son taf, je sais pas, ou les deux peut-être. Ça n'a rien à voir. Bah si, un peu quand même, non? Je sais pas, tu crois pas que par les temps qui courent là en ce moment. Pardon. Écoute, tu crois pas qu'on pourrait redémarrer de zéro? Que je puisse te demander un truc? Parce que j'ai besoin de te demander un truc. Ok. Dis-moi. T'as toujours le projecteur? Oui. Tu vois le mur qui est en face de ta cuisine? Oui. La façade. Ouais, la façade. Je vais t'envoyer quelque chose et je voudrais que tu sois prêt pour 20h. Ok. D'accord. Merci. Bien sûr que c'est formidable ce que fait le corps médical. J'ai juste eu l'impression que derrière tes beaux discours, qui sont des beaux discours, hein. Bah, derrière ça, tu faisais pas vraiment attention à moi. Pas. Pourquoi t'as décroché cette fois? S'il y a une chose d'impardonnable, c'est de ne pas pardonner. Romain Gary. Tu m'épates. J'aurais demandé pardon et... N'en jetez plus, s'il vous plaît, n'en jetez plus. Et j'aurais demandé de venir t'installer avec moi. Ah, 20h. Ils applaudissent ta proposition. Tu peux y aller aussi si tu veux. Ah, non, non, non. Pas pour moi. Pour toi.